c'est une région qui est riche d'histoire et qui est surtout riche de sites bibliques. On part tout de suite à sa découverte. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci pour ce temps que tu nous accordes. On est à Elon-Moré, c'est magnifique. On peut dire que c'est le lieu de la promesse. Justement, souvent Jérusalem, dans la tête de tout le monde, c'est clair que c'est une ville sainte. Oui. Concernant le lieu où nous sommes maintenant, Elon-Moré, c'est moins vrai. Et pourtant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Elon-Moré est aussi un lieu saint? Oui, bien sûr. Bienvenue tout d'abord. Merci. Elon-Moré, les chênes de Moré, c'est leur traduction, est un point important, saint, dans l'histoire biblique, puisque c'est là que, on va dire, tout débute. C'est là que Abraham, suivant l'appel de Dieu, de quitter son pays natal, de se rendre vers une terre que Dieu lui indiquera, il arrive sur une terre inconnue, et c'est là, à Elon-Moré, que Dieu se dévoile et lui annonce. C'est de cette terre que je parlais. C'est là que la promesse faite à Abraham d'avoir une descendance, d'avoir une terre sur laquelle sa descendance dévoilera la parole divine, c'est ici que ça se produit. Donc ça, on va dire, c'est un peu le berceau de l'histoire sainte. Wow. Elon-Moré, le lieu de la promesse. Absolument. Et lorsque son petit-fils Jacob rentre de l'exil chez Laban, donc on va dire avec sa famille, avec le noyau du peuple d'Israël, des Hébreux, et que redémarre, on va dire, l'histoire sainte sur la terre d'élection, c'est aussi ici que ça se produit. La famille de Jacob rentre en terre d'Israël dans cette vallée derrière nous et arrive, comme jadis le patriarche Abraham, à Sichem, à Elon-Moré, aux chênes de Moré. Wow. C'est que le début, puisque lorsque le peuple d'Israël, le peuple hébreu arrive avec Josué en terre promise, c'est ici également, sur le mont Garizim et le mont Ebal qui sont derrière nous, qu'ils se rassemblent et que la promesse se réalise. Pour la première fois, la descendance, celle qui avait été promise à Abraham, se rassemble en tant que peuple sur la terre d'Israël, en cet endroit même. Et comment justement être sûr qu'on est bien au bon endroit par rapport à ce verset biblique qui parle de la promesse d'Abraham? Comment on sait que c'est vraiment ce lieu-là? Alors, nous avons beaucoup d'indications. Parmi elles, le fait que tout naturellement, Dieu dit à Abraham, cette terre que tu vois. Donc il est en altitude, il arrive, on sait, de l'est, donc on a la vallée du Jourdain derrière nous à l'est. Et il voit cette magnifique vallée, ces montagnes majestueuses. Donc lorsque Dieu lui promet un grand pays, ici il voit un grand pays. Okay. Ensuite, nous avons d'abord des vestiges de la ville de Sichem. Nous avons aussi des sites qui conservent les noms hébraïques de ces endroits tels qu'ils sont dans la Bible. Et également, nous avons un signal qui est, on va dire, assez extraordinaire, c'est qu'à le dire. C'est surnaturel presque, le mont Garizim et le mont Ebal, chacun avait participé, avait été le théâtre de la cérémonie des malédictions et des bénédictions lorsque le peuple hébreu rentre avec Josué en terre d'Israël. Mmh. Et jusqu'à aujourd'hui, en hiver un peu moins, nous voyons que le mont Garizim où était la bénédiction est beaucoup plus verdoyant que son voisin le mont Ebal qui est plus aride, et là-dessus nous avons des témoignages tout au fil des siècles que c'est le cas ici. Donc ça nous indique bien que cet endroit est là où Abraham, puis Jacob, puis le peuple d'Israël se réunit. Tu veux dire que des années plus tard, on a quand même des traces de la véracité de la Bible en voyant le mont, on va dire, de la malédiction aride et le mont de la bénédiction verdoyant. Absolument, et c'est témoigné par des pèlerins et des voyageurs juifs, chrétiens, au fil des siècles dans leurs écrits. Ouais. Donc vraiment, on a ici un endroit à une heure de Tel Aviv ou de Jérusalem, parfois méconnu, mais qui est vraiment au cœur de l'histoire sainte et avec un potentiel spirituel énorme. En tant que passionné de cette région, de Elon-Moré,
Est-ce que tu as un message à transmettre aux auditeurs? Oui, avec plaisir. Je dirais que cette région des Lônes-Morées de la Samarie, c'est le berceau de l'histoire sainte. Ce sont nos racines, c'est les racines de la foi, de la promesse. Ce sont également les paysages qui nous permettent de découvrir la Bible vraiment telle qu'elle est, sa véracité. Et j'encourage vraiment tous à venir la visiter. Ce sont des régions parfois méconnues et personne n'est déçu parce qu'on vient ici. Il y a des choses magnifiques, un renouveau également, une renaissance qui se dévoile à nos yeux et une bénédiction déjà du temps de Moïse qui décrivait cette région comme bénie de Dieu. Et nous le voyons aujourd'hui au quotidien. Et je vous invite tous à nous rejoindre et à visiter cette magnifique région tous ensemble. Ici en Israël. Merci, merci beaucoup. Il est temps, les amis, de nous dire au revoir. Soyez bénis, les amis.